Let's get ready to rumble! On va parler, mon frère, hein, de deux attaquants. Il y a un qui est vilain et puis il y a un qui est joli. Tu dis que tu es pour le gars vilain qui s'appelle Drogba. Moi, je dis c'est Eto. Tu vois, on se ressemble tout ça. Mais au-delà de cela, il y a le plan sportif. Eto a plus de Coupes d'Afrique que lui. Eto a plus de buts. Il a plus de sélections en équipe nationale. Il est meilleur buteur. Il a gagné 3 fois Champions League. Bah, c'est longtemps. Il a fini à Pichichi. C'est un gars comme ça, tu es présenté à. Tu es confronté ça à Eto, un Drogba, qui a un temps, un pied malade. Toujours. C'est lui qui trouve toujours une blessure. Il est vieux, il a diminué son âge, tout ça. Et vous voulez comparer Eto à Drogba. Comment vous faites? Le gars, il a commencé à 18 ans et puis il est déjà meilleur buteur. Il a déjà marqué à la CAN. Il a déjà marqué au JO. Il a gagné tout ça. Le gars, il vient du néant. Il apparaît un jour à Marseille, il a marqué 2 ou 3 buts. Vous pensez que c'est le meilleur buteur? Le meilleur buteur, c'est Eto. Merci. Cher ami, on va parler ce soir de football, de célébrité, de star, ainsi de suite. Eto, joli garçon, il n'y a pas de problème. C'est pour devenir quoi? Chercheur de Nathalie quoi? En train de rentrer dans tous les scandales partout. Drogba, c'est ça on dit vrai joli garçon. Bagba Dre, son fromager de Côte d'Ivoire. Abidjan complet, Côte d'Ivoire complet. L'enfant, il s'appelle Didier. Son nom, c'est Drogba. On a donné ça une bière, la bière nationale, Bock. Donc il faut comprendre que, en termes de célébrité, en termes de présentation, en termes de carrure, en termes de charisme, les deux se comparent pas. Tu ne vas jamais voir Drogba dans un scandale sexuel. Ici, sort-il là, Jean. En termes de pognon, l'autre a l'argent, il a l'argent. Donc là, il n'y a pas à faire des jetons entre les deux. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que lui, c'est Taïsoko. Poupou.